travail. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que vous cherchez, mademoiselle, là? Eh ben, moi, je cherche Patrick Sabatier. Ah non, vous êtes tombé, là. Moi, je suis Patrick Sébastien. Moi, j'ai pas les dents qui débordent, là. Mais dis donc, tête de lard, qu'est-ce que t'as contre les grandes dents? Non, j'ai rien. Mais pourquoi? J'ai déjà vu dans un film. Pourquoi vous cherchez Patrick Sabatier? Eh ben, mon vieux, je suis à vie de recherche. Il va peut-être m'aider à retrouver mon Félix. Ah bon, vous avez perdu votre chat? Mais j'ai pas de chat, moi. Félix, c'est mon ton cubain. Votre quoi? Mon ton cubain. Non, dis pas ton cubain, c'est pas ton cubain, c'est con. Ah ben oui, c'est con. Oui, c'est con parce qu'en plus, il m'aidait à remplir ma feuille de sécurité sociale. La feuille de sécurité? Mais je peux vous aider, moi, à la remplir, ouais. Si vous voulez. Je peux vous aider à la remplir, ma chérie. Tu peux m'aider? Oui, on se tutoie pas, je vous en prie. Attends, tu vas voir, justement, c'est parce que c'est tout l'institut, ça, ils vous donnent des numéros, ça rentre même pas dans les cases. Comment ça, ça rentre pas? Attendez, qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases? Attendez. Mais ça déborde, là. Ben oui, ça déborde, il n'y a pas assez de place pour les réponses. Attendez. Bon. Non. Mais dis donc, ça va pas, non, mais dis donc, tête de lard, tu me réponds. Comment tu m'appelles? Tête de lard. Tête de lard, oui, heureusement, j'ai eu peur. Bon, exercice. Tu préfères tête de nain? Non. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend, bah oui, évidemment, on vous demande par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Ça dépasse. Mais évidemment, ça dépasse, c'est ce que je te dis depuis une heure. Dis donc, tu seras plus intelligent que tout le monde. Non, je suis pas plus intelligent, mais qu'est-ce que c'est ça? Zizette épouse X. Ben, Zizette épouse X, c'est pas lire, non? C'est marqué là, en tout petit. Pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de la jeune fille suivie de deux points, épouse X ou veuve Y. Alors moi, c'est ni Zizette épouse X. Ouais. Ouais, mais vous êtes mariée à X, peut-être? Mais non, je suis pas mariée, moi, seulement je suis enceinte jusqu'aux dents, je peux pas dire ça, ça fait mauvais genre. Bon, alors, profession de l'époux, qu'est-ce qu'on met? Oh, ben, alors, il faut mettre quelque chose, hein, sinon ils vont me passer un savon. Je sais pas. Ben, mets ce que tu veux, tiens. Éboueur, ça va? Ça va pas, non, il faut qu'on pas ramasseur des poubelles, tant que non. Non, attends. Ben, t'as qu'à mettre bureau-lier. Comment? Bureau-lier. Bureau-lier, c'est quoi ça, bureau-lier? Ben oui, celui qui travaille dans les bureaux. Ah non, on dit buraliste, on dit. Pas buraliste. Mais non! Un buraliste, ça travaille dans un bar tabac, mais t'es complètement abruti, quoi. Quoi? Non, mais attends, je suis abruti, non, doucement, là, je suis dans mon émission, là, il n'y a pas marqué Jean-Luc Ley ici. Ben évidemment! C'est de nain, c'est pas parce que tu travailles à la télé que tu es plus malin que tout le monde. Je vais te les faire tourner, moi, tes roues de la fortune. C'est fini. Et remarque, on peut en profiter. Comme t'es déguisé, tu veux peut-être chanter quelque chose. Mais déguisé? Dis donc, c'est pas parce qu'on est riche comme Fréjus que je m'habille pas comme je veux, moi. Mes fringues, je les trouve au chantier. Au chantier, ça se voit que t'habilles au chantier. Bah, enfin, si je peux me permettre, je crois... Oui, tu peux me rendre ma pochette, oui. Mais non, je le garde, ça fait toujours ça de prix. Mais je crois que je connais la chanteuse qui est cachée derrière toi. Ah ouais, je crois. T'aurais pas une petite chanson sur les filles qui pleurent, par exemple? Ben oui. Mais les filles, ça pleure tout le temps. Ah oui. Musique.
enlever tes dents. Oh là là. Oh ça c'est, écoutez, moi je suis étonné. Heureusement que tu m'as raté avec tes coups de pied. C'est des charentais, ça fait pas mal. Ça fait pas mal, c'est des charentais. Oui, mais enfin, c'est pas toi qui... Enfin, je préfère... Non, enfin, bon, tu peux pas savoir ce que c'est, je t'expliquerai. Alors là, je veux dire un grand coup de chapeau, parce que vous vous rendez compte, elle sait danser, elle sait chanter, elle se prend pas au sérieux, la preuve. Et puis, il y a même des mauvaises langues qui m'ont dit que tu étais superbe dans le film de Lelouch. Non, ah, ouais. Tu vas aller dans le film de Lelouch avec Belmondo, l'itinéraire d'un enfant gâté, pas gâteux, gâté. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a l'album qui s'appelle... Qui s'appelle Cancan. Qui s'appelle Cancan. Qu'est-ce que tu nous prépares? De la télé, du cinéma, de quoi? Écoute, moi j'aimerais bien tout faire, mais là pour le moment, doucement, je chante, j'apprends à chanter, j'ai encore un peu de temps devant moi, puis tant que tu me demanderas, si tu veux que je fasse le paillasson la prochaine fois, tu me demandes. Ah, c'est un amour, c'est gentil ça. Et s'ils étaient tous comme ça, s'ils étaient tous comme ça, ça c'est sympa, puis ça nous fait plaisir là. Eh bien, un final en apothéose, on vous l'avait promis, on vous les avait promis. Les fameux orang-outans de Bobby Berosini, on les a en exclusivité pour l'Europe, on allait les chercher là-bas. Regardez ce numéro qui dure 5-6 minutes, mais je vous jure, vous n'allez pas regretter. Mettez bien vos enfants devant la télévision. Paul Prébois était dans la salle pour diriger tout ça. Regardez.